C'est vrai que sélection haïtienne a fait un bel parcours dans Gold Cup 2019 là côté était impressionné en pile monde et tout haïtien était content. Mais c'est pas tout joueur après Gold Cup là baga la vinn belle nan mayo. Gen pile joueur baga la belle nan mayo c'est vrai. Mais gen pile tout baga la vraiment compliqué nan mayo nan un moment n'a parlé avant là. Ça veut dire ça n'était pensé mais ça n'était espéré t'a joindre c'est pas ça yo joindre. Ou du moins yo quitté un gros niveau qu'on y a yo libre de tout contrat ou bien yo pas joindre aucun club qui intéressé ensemble avec eux. Question tout à poser, est-ce que c'est parce que vous pas un bon agent ou du moins c'est parce que vous un problème ensemble avec joueur ça. Bonjour à tout le monde, nous parlons c'est Meyan Jean Albert, bienvenue sur le canal Poupa Meyan pour nous vidéo ça à côté nous venir traiter sujet sélection nationale là ensemble avec nous joueur qui en difficulté avec joueur qui joue un bel contrat après Gold Cup 2019 là. Mes amis, 40 jours après belle prestation Grenadier nous gain qui a passé grande difficulté, disons qui pas dans club ou qui pas joue un club etc. Si vous avez aimé la vidéo, mes amis, vous voulez encourager notre travail là, mettez un like en bas, ça encourage nous pour nous porter plus d'informations pour vous chaque jour. Et si vous faites jouer avec nous, nous abdou, bienvenue sur la chaîne YouTube ça, bienvenue dans la famille parce que son famille nous est. Cliquez sur le bouton ça qui marque subscribe pour vous abonner qui en bas vidéo. Lorsqu'on fait ça, on prend une petite cloche qui paraît, cliquez sur la petite cloche là pour ne pas rater aucune prochaine vidéo nous allons mettre. Pas oublier de cliquer sur la petite cloche là pour trois options. Toutes, aucune, mais personnalisées. Cliquez sur tout comme ça va pas rater aucune prochaine vidéo nous. Pas oublier mes amis si vous doit regarder vidéo ça ou ta ouais on surtout pas passer rendre nous service qui t'est passé parce que ça petit channel YouTube nous en pile en pile en pile. En allant dans sujet qui intéresse nous aujourd'hui qui c'est Grenadier nous après Gold Cup là comment ça est pour. On commence avec Brian Arceus. Ça son bonne nouvelle mes amis, tout connaît Brian Arceus qui c'est l'homme à 4 poumons qui t'a brassé mis dans terrain équipe haïtienne. Et bien monsieur il sorti dans équipe amateur pour les signer un contrat professionnel avec Paris FC. Faut nous dire qu'il a fait 2 apparitions parmi yon titularisation. Donc les kounya là, il sorti ça son monde qui grandit. Faut nous dire que Brian Arceus il fait 1er février 1996, il y a 23 ans sous tête seulement, son jeune petit boy qui a brassé boule dans mi-temps équipe Paris FCA dans la 2e division pays de la France actuellement. En tous les cas, nous disons bon succès et ça a son bonne nouvelle pour le football haïtien. Mais ce n'est pas toute nouvelle ou bonne nouvelle, mes amis. En suivant la vidéo ça jusqu'à la fin pour nous apprendre toutes les dernières informations. Et bien, on continue avec Karl-Heinz Akus, mes amis, qui c'est latéral droite haïtien. Nous connaissons bien, c'est en Haïti qu'il fait. Il était commencé à jouer dans le Racing Club haïtien. C'est un haïtien après Gold Cup, la bagarre est venue plus belle dans elle. Faut que nous disions qu'il était en forme de prêt dans l'équipe AJ Auxerre. Il était sorti dans le Cercle Bruges, dans le pays Belgique, pour aller en forme de prêt dans AJ Auxerre, dans la 2e division pays de la France. Et bien, actuellement, il joue une place titulaire dans l'équipe ça. Il a joué pour l'équipe là normalement. En tous les cas, joueur lui-même qui fête le 28 juin 1996 à Port-au-Prince, et bien actuellement là, il y a défend pour le club AJ Auxerre en 2e division pays de la France. Il gagne en pile, belle opportunité devant. Faut que nous ne sommes pas celui-même qui est latéral droit à Haïti, il faut que lever pile tout parce que Stéphane Lambez lui-même qui probablement t'a supposé tourner, nous dit ça, t'a supposé tourner dans l'équipe haïtienne. Nous sommes des joueurs qui progressent après Gold Cup. Il faut que nous disions qu'il y a un pile d'autres joueurs eux-mêmes dans le moment ça qui sans club, par exemple Johnny Placide. Mes amis, nous connaissons la situation depuis avant l'été sorti dans l'équipe en Angleterre là, qui c'est Oldham Athletic. Eh bien, joueur ça, mes amis, lit sans club. Bien qu'il est toujours titulaire dans l'équipe nationale là, mais quand même, Johnny Placide n'a pas encore joindre un club pour accepter ou bien pour signer un contrat ensemble avec. Nous ne savons pas est-ce que cette déclaration a été faite après qu'il ait quitté l'équipe Reims. Mais quand même, Johnny Placide, au côté de lui, toujours entraîné avec l'équipe Le Havre, qui est l'équipe club formateur. Li. Mais quand même, il n'a pas encore joindre une situation côté stable dans un club. En tous les cas, après tout bel parcours que tu as fait dans le Gold Cup, là, côté de ton club dans le pays Mexique qui était même réclamé, disons, des fanatiques clubs qui ont été réclamés, qui c'est AS Puma,
jusqu'à maintenant pas qu'on a rien qui dit pour et goalkeeper sélection nationale là qui c'est Johnny Placide. Nous pas connait est-ce que c'est bon agent joueur ça lien ni pas gagné ou bien est-ce que c'est joueur à tout qui pas arrivé convaincre un club pour te capable faire partie mes amis. En tous les cas, joueur ça faut que nous dit qu'elle était jeune équipe U21 la France là, il a joué 6 matchs pour la France mes amis. Nous pensons qu'il t'a supposé jouer un club quand même avant saison lui-même les fini avant match transfert lui-même les fini. En tous les cas, Napton nous tout t'a remet bien pour Placide. Nous tout t'a remet tant de Placide qui dans un grand club en Europe. Pourquoi pas dans MLS là tout etc. En tous les cas, Johnny Placide qui a 31 ans sous tête lui comme gardien de but, nous pensons qu'il y a un pile et objectif toujours, un pile avenir dans le football là toujours. Nous souhaitons qu'il joigne un club le plus rapide que possible. C'est pas seulement Johnny Placide qui est en mauvaise situation après Gold Cup 2019 là. Nous gagnons Wild Donald Guerrier, mes amis, j'en ai entendu là, il était annoncé dans Neftchi Bakou qui est un club dans le pays Azerbaïdjan. Faut que nous disions après qu'il était fini licencié de club qui c'est FK Karabag, Nati et Bad Bush que tu gagnes. Côté Donald Guerrier, il a clarifié que c'est parce que le club là était pour mettre un bagage pour rénovation contrat lui que le contrat est arrivé à bout. Il n'est pas arrivé et Kembe Moyo, c'est ça qui fait que il pas rejoindre club là et après Gold Cup là. En tous les cas, jusqu'à maintenant, je vais aller en vacances en Haïti. Il faut que nous disions que Transfer Market, qui est un site qui toujours baille belle information sur transfert joueur, et bien, il t'a mis Donald, affiché Donald comme joueur Neftchi Bakou. Nous t'avons même mis des vidéos sur ça quand nous t'avons mis c'était officiel, nous t'avons pensé c'était officiel. Mais malheureusement, t'as semblé c'est ton grand rumeur. Il faut que nous disions sur Facebook là, ou bien sur YouTube, etc. Tout le monde t'a parlé de bagaille ça. Même sur Google, sous t'allez ou t'es tapé de Will Donald Guerrier, ou t'as bien en ouest, c'était joueur Neftchi Bakou. Il était même fait partie de liste joueur Neftchi Bakou sous Google. En tous les cas, on va voir qui ça t'a passé. On n'y a pas expliqué qui ça t'est passé. Une transfert market ou bien Google qui te fait de mettre Will Donald Guerrier comme joueur Neftchi Bakou. Mais actuellement, joueur Ali est en Haïti. On va voir qui ça t'a passé parce que joueur Ali pour que j'aime jouer dans leur club après qu'il t'ait fini licencié dans le club Azerbaïdjan. Faut que Will Donald Guerrier lui ait 30 ans sous tête, il fait 31 mars 1989, son joueur qui gagne un pile talent sur lui, mes amis, un pile talent dans le joueur ça. Il était passé en Pologne, faut nous ça, il était passé la Turquie tout. Il était même joué dans le même club avec ancien joueur superstar Brésil, là, mes amis, qui c'est Wagner Love. Nous tous songez Wagner Love. En tous les cas, nous souhaitons pour Donald Guerrier Junior Club le plus rapide que possible parce que le public haïtien n'a pas qu'à attendre encore. Côté par game match le 7 septembre contre Curaçao, qui sont une équipe qui est vraiment compétitive dans la zone. Là. Nous sommes les curations dans le Gold Cup 2019, là, mes amis, qui étaient épatés tout le monde dans le match face aux États-Unis. Qui étaient épatés tout le monde dans le jouer Gold Cup. Là. En tous les cas, nous souhaitons pour jouer, nous rejoindre un contrat le plus rapide que possible pour capable combler vide qui est dans le cœur public haïtien qui remet en pile, en pile, en pile. C'est pas seulement Johnny Placide ni tout seulement Wildon Aguerre qui a un mauvais problème, disons, qui est dans une mauvaise situation après le Gold Cup 2019. Là. Faut que nous disons attaquant vedette équipe haïtienne qui c'est Dukens Nazon actuellement li non mauvaise situation tout. Bien que l'été rejoint l'équipe Saint-Trudien qui a joué première division dans le pays Belgique, eh bien ça semble que Saint-Trudien lui-même a cherché pour ta libérer le joueur. En tous les cas, c'est ça le journal qui fait qu'on est, mais quand même le joueur li relégué Dukens Nazon dans l'équipe B équipe ça. C'est ça toute bagarre t'a fait connait que Dukens Nazon il pas évolué avec équipe A encore quand même yo mettait le jouer dans équipe B. D'après un pile monde c'est parce que Dukens Nazon il pas rejoindre l'équipe là l'heure pour le faire pré-saison. Faut que nous donne Nazon te font bon titre en Haïti après Gold Cup là même j'ai avec Donald Guerrier donc tu as passé vacances en Haïti. Eh bien d'après un pile monde c'est parce que Nazon il pas fait pré-saison pour être capable convaincre club là place li là. Faut que nous dire que dans même championnat ça nous gagne Franzi Piro qui a bien joué avec équipe li mais quand même Dukens Nazon lui-même li pas capable rejoindre place dans équipe ça. Faut que nous dire li rejoindre équipe ça depuis année 2018 li rejoindre équipe ça et bien équipe là t'est prêté li bay un club dans pays Écosse qui est les Saint-Mirren. En tous les cas, jusqu'à maintenant, il est retourné dans l'équipe li, qui s'est intrudé dans le pays Belgique, mais il n'a pas fait tête en place dans l'équipe ça. Nous, tout le monde attend que Dukens Nazon lui-même, il rejoigne un grand club, et tout le monde attend que Dukens Nazon lui bien mette en stabilité dans le football li, en Europe. Mais quand même, tout le monde qui ça l'a porté pour nous dans le match face à Curaçao qui pourra le faire le 7 septembre. Nous ne pouvons pas connaître est-ce qu'il est abrilé ou pas.
quand même n'attendre mes amis tout mon attendre avec impatience qui ça qui pral passer même j'en nous même saute bon opinion pas nous sur ça qui fait joueur haïtien ça a un problème après World Cup 2019 là ou même tout gain opinion pas descend dans commentaire et pour qui ça penser joueur ça il pas qu'à jouer un nouveau club ou bien un problème après belle parcours se fait dans World Cup 2019 là. C'était un plaisir pour nous porter vidéo ça pour nous mes amis, pas oublier pour être connecté avec nous c'est cliquer sur petit bouton ça qui est en bas vidéo qui marqué s'abonner ou bien s'inscrire, cliquer sur le lien et activer cloche notification. À la prochaine pour l'autre vidéo, que bon Dieu bénisse nous et pas oublier ça qui est plus important toujours dire nous ça football a passé, nous même n'a passé c'est dans nous qu'a prêté, préparer dans nous pour être au Christ là.